fait Channel News un immense plaisir aujourd'hui pour rencontrer avec mademoiselle Jessica Chung. Nous présente-t-elle comme un blogueur sur Instagram. Il a pas mal de followers mauriciens et internationaux. Il n'a que 19 ans. Amoureux de la mode, de tendance, nouvelle tendance. Et aussi, il y a une étudiante qui fait terminer sur HSC, une classe 5e au niveau national dans la filière Fashion and Design. Et maintenant, il y a une boutique, il y a même un entrepreneur, il y a une boutique qui livre des vêtements pour femmes et pour hommes. Donc, nous pourrons rencontrer Elias, on dit nous pour découvrir Jessica Chung. Bonjour Channel News, je m'appelle Jessica Chung, je suis une passionnée de mode et moi j'ai un shop, je suis entrepreneur et comment on fait que dire, on fait que finir l'école, donc je suis nouveau dans ce domaine-là, mais je suis influenceuse depuis 2 ans comme ça, je crois que ça fait 2 ans. Enfin, je suis encore nouveau aussi dans ce influencer-là, mais ouais, voilà, that's me. Jessica, dis-nous un petit peu, man jeune, surtout qui follow toi beaucoup sur Instagram à Maurice et même à l'étranger. Et qui a une réaction par rapport à ton post, à ton photo et qui a une question qui normalement tu te poses toi? Alors, cette réaction, en fait, enfin, moi j'espère que tu m'en comptes en photo. Moi j'espère que tu m'en comptes en photo parce que mon travail est dur pour justement faire ça en photo là. Behind the scenes is crazy, n'est qu'un photographe. En guillemets, photographe qui vous connaissez avant d'affaires là, mais ouais. Bonne question qui souvent me gagne. Pas vraiment, enfin, c'est une question en général, dans le sens, ouais, est-ce que tu peux aller à l'université ou c'est quoi tes plans d'avenir, etc. C'est ça un genre de question là, ou un petit peu plus personnel, le mot la vie, un truc comme ça. Mais normalement, okay, justement, ben, je me pose ma question, mais c'est venu à moi qui, ouais, you are inspiring, ou like, quand ils ont apprécié ce qu'ils m'ont fait, genre comme l'âge, etc. Mais ouais, en gros, c'est ça. Qui peut-être pour encourager les autres jeunes qui peuvent terminer l'école, peut-être terminer l'université, universitaire pour lancer dans l'entrepreneuriat comme toi. Un influenceur, un blogueur ou Instagram ou même le Facebook, il est capable de faire sa passion, vivre ce métier à Maurice. Est-ce qu'il est capable de gagner la vie facilement avec ça? Soyons francs, on va pas comme si sugarcoat. Ça domaine là, mais ouais, toujours moins quoi que justement Instagram, une blogueur ou un influencer, ça nous avait facile, mais au fait, non, il n'est pas facile au fait, ça aussi est un peu mental. Bon, personnellement, pour moi, je ne pas connaître pour moi les autres, comment on était, mais personnellement, ça nous a fait assez stressant parce que je vous ai imaginé qu'il ouais, nous faisait. Faire une manière, gagner une bonne photo, nous vous êtes chez pas milliers, n'est que pour gagner une, enfin bon, pas pour milliers, ouais, faut pas exagérer non plus, mais pas centaines, nous vous êtes centaines de photos, n'est que pour gagner une seule bonne photo. Et justement, là, nous vous avons gagné si il y a engagement, si il y a like, si nous y a followers. Ça veut dire aussi mon continue dans sa pof, sorry, mauvais cause un peu anglais, mais ouais, dans sa pof que t'es entrepreneuriat. Aussi moi mon but dans la vie c'est justement pas une année que ça chope là, c'est mon but dans la vie c'est comment dire, marre beaucoup business, donc vraiment on vit une businesswoman qui est renommée, c'est meilleur que de faire une corruption, discrimination et pollution.